Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Petite vidéo très très courte pour que vous puissiez vous auto-tester sur vos capacités à déprogrammer en temps réel les programmations subconscientes dont nous sommes tous victimes. Eh bien, aux heures de grande écoute, hein. Allez, c'est parti sur les rendez-vous du sport de TF1, 25 mars 2018. Bonsoir à tous. Mardi, l'équipe de France de football affrontera la Russie à Saint-Pétersbourg. Et depuis deux jours, il est un peu chafou. Battu 3-2 par la Colombie, les Bleus effectuaient leur dernier entraînement sur le sol français cet après-midi. Et leur sélectionneur, Didier Deschamps, ne les lâche pas. J'ai dit ce que j'avais à dire, comme je le fais à chaque fois. Je suis revenu aussi hier avec le groupe par rapport à ce qui s'est passé, qui m'avait fortement déplu. Un grand prix de F1, ça se gagne souvent dans les stands. 100e podium ce matin pour l'Allemand Sébastien Vettel en Australie. Un ravitaillement éclair qui permet au quadruple champion du monde de sortir juste devant Lewis Hamilton, quelques mètres d'avance, qu'il conserve jusqu'au bout dans ce premier grand prix de la saison. Mais au fait... Elles ont disparu des grilles des grands prix cette saison, remplacées par des enfants. Certains le regretteront, mais ils sont de moins en moins nombreux. Podium toujours, Martin Fourcade en a connu 20 cette saison, 20 sur 21 possibles. Il est donc humain, Pierre-Emmanuel Chinardet. Il a perdu, mais oui, ça lui arrive aussi parfois de manquer sa cible. Martin Fourcade a même fini 19e de la dernière course, une mass start en Russie. Seule fausse note dans une saison pleine avec 9 victoires au passage. Immense champion par le talent, le mental, l'humilité et pourtant, il a bien pris le globe, le gros, en cristal, celui qui récompense le vainqueur de la Coupe du Monde. C'est le 7e dans son incroyable palmarès. On se quitte avec Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, champion du monde de danse sur glace hier, pour la 3e fois à Milan à 22 et 23 ans. Belle soirée sur TF1. C'était votre rendez-vous sport avec Volkswagen, partenaire majeur de la Fédération. Bon ben voilà, si vous avez rien remarqué et que ça glisse comme si tout allait très bien, tout était normal, vous pouvez reprendre une activité normale, c'est bien dommage pour vous, mais je ne vais pas non plus faire tout le travail à votre place, alors repassez la séquence de 2 minutes et puis ma foi, allez regarder un petit peu... ce qui se passe autour de vous en termes d'agenda sur les droits sexuels. Voilà, allez, ciao !